Hello, hello les potos, c'est Chaîne Glacier, voilà sur Division 2, j'espère que vous allez bien. Allez, on est pour faire la traque. On va faire la traque, alors un petit peu déçu parce qu'elle se passe à New York et qu'elle est, bah, elle est pas terrible, hein, franchement. Moins terrible que toutes les autres, j'ai envie de dire. Voilà, c'est impression, c'est que bah, c'est pas sur des missions, sur des primes. Alors c'est vrai que on est à la recherche d'indices, on va dire. Site protégé par des ennemis à proximité. Alors c'est celle-ci, voilà. Vous voyez, localisation. C'est pour à chaque fois trouver un peu une piste pour essayer d'avoir l'agent Kelso, récupérer les informations. Donc, ben on est parti hein, pour faire le point de contrôle. Alors, j'ai pris un petit build que j'ai monté. Ah, je vois plus rien. Ouais, je suis dans le bon sens, ça va. Alors, je me suis monté un petit build régénération en DPS. Régénération de protection. Je vous fais voir ça après. Chose au tier 6 pour le bouclier. Normalement, il devrait marcher pas mal, mais bon, on me tire dans le dos, donc ça va être compliqué. Il marche pas mal, mais il faut pas que je me fasse tirer dans le dos. Allez. On est parti sur le point de contrôle, comme d'habitude. C'est pas ça, il est loin le point de contrôle. Ouais, j'ai pas envie de traverser là, non? Allez, 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 allez. Il est tout au bout là-bas. Allez, on arrive dessus. Voilà, on y est. Alors, on va appeler la renfort tout de suite. Vite le bouclier. Allez! J'ai un peu de mal là si je me fais taper dans le dos. Je vais le faire. Je prends cher quand même. Ah mais il y en avait un dans le dos, voilà pourquoi. Voilà pourquoi je galère.
ça tape dans le dos. Elle est bien cette arme. Ils ont pas besoin de partir. Ils restent avec moi. Les électrocutes. Bien sûr, la meilleure arme du jeu, la Saint-Hélène. Pour ma part, c'est à l'heure actuelle, c'est la meilleure arme du jeu. Numéro uno, j'ai envie de dire. Après, je dirais le Roboros. Après, il y a le 700. Sniper. Allez, descends, s'il te plaît. Voilà. Ils sont encore au-dessus. Oh, c'est pas possible, il faudrait que je monte. Alors comme tous les bulles de rusher, hein, c'est simple, faut aller sur les mobs, faut essayer de pas se les mettre dans le dos et c'est impeccable, vous voyez, ça passe tranquille. Alors là, ce qui fait la différence, c'est le bouclier, il est résistant, il est costaud. Vous voyez, il y en a un qui me tape dans le dos, je suis obligé de le contourner. Voilà. Vous voyez. Tout de suite, on voit la différence quand ça tape dans le dos. J'ai ma protection qui pète. Mais bon, une fois que vous revenez, vous voyez. J'ai la régène qui... Bon, elle est faible, hein. Je trouve pour ma part, elle est faible. Même s'ils l'ont monté un peu... Je trouve que c'est pas encore assez. Je trouve que ils auraient pu la monter un peu plus. Alors pour les tanks, c'est sûr que ça va, mais pour d'autres builds hybrides comme j'ai fait DPS régénération, ça manque, ça pêche pas. C'est pour ça que le bouclier fait la différence et le chargeur aussi. Continuez à chercher, agent. Je vous fais voir ça. Je vais prendre des billes. Enquête. Ben voilà. 28% les amis. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une prime. Une prime. Allez, on ramasse. Que de la misère. Et voilà pour ce build. Alors, pour ce build-là, vous voyez, j'ai le Ninja Bike. Donc, ça m'active la troisième pièce pour ces deux pièces-là. Donc, ça me donne une taille du chargeur. C'est ça la différence, Brazol. 50%. De plus sur le chargeur. Vous voyez, je suis à 105. C'est nickel, c'est ce qu'il faut. Après, je mets les deux pièces Gilaguard pour avoir protection totale, 60% de santé et les 2% de régène de protection parce que c'est un build qui est basé sur la régène de protection. Vous voyez, bon, par contre, j'ai pas les pièces à fond. Mais voilà, ça marche quand même très très bien. Là, j'ai mis un Fenris
pour avoir dégâts d'armes, vitesse de rechargement, c'est pas mal, surtout quand vous rushez. Avec de la régène de protection, bien sûr, sur la pièce, sur toutes les pièces, de toute façon, régène de protection et oblitération. Vous voyez ? C'est un build qui est plutôt pas mal, hein, franchement. Et bien sûr, quand vous allez sur le bouclier, vous voyez ? Tac. Et là, je suis au tier 4. Ouais, je suis au tier 4. Pourquoi je suis au tier 4 la dernière fois? J'étais au tier 6. Je sais plus pourquoi, tiens. Ah, je suis au tier 4. D'accord. Peut-être parce que j'avais mis du bleu en plus et que je les ai retirés. Enfin, voilà pour ce build, les gars. Je fais la traque avec ce build-là. Et ça devrait passer sans tomber, normalement. Alors, la prime, on est parti pour la prime. Hop là, elle est là la prime. Mais ça, c'est sur la prochaine vidéo. À peluche.